Good morgen, allez, Iden, aujourd'hui le Lounishmat, Avraham, Mordechai ben Yitzhak Vefani, et Armand, Amram ben Sulika, ainsi que leur frère Avraham Shmuel ben Nea et Léa bat Elisheva, le Tor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude du Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masechet Regiga, Perigimel Mishnah, Delet Romer, Batroma, Shebiuda, Nehemanim, Al Taharat, Yain, Veshemen, Kol Yamot Hashana, Ubishat Agitot, Veabadim, Afal Atroma. Avoua Agitot, Veabadim, et Violo. חבית של יין ושל תרומה לא יקבל אינה ממנו. אבל מניחה לגת הבאה, ואם אמר לו, הפרשתי לתוכה רביעית קודש, נאמן. כדי יין וחדש שמן עמדו מעות, נאמנים עליהם בשעת הגיתות והבתים, וקודם לגיתות 70 יום. On a, dans les trois premières משניות, on a parlé, on a comparé les lois de pureté et impureté de ce qui est Kodesh face à ce qui est Trouma. Kodesh, c'est les korbanot qui sont consommés à Yerushalayim, pas que par les kohanim. Ouais, celui qui apporte un shlamim, il a le droit de manger la viande, lui et toute sa famille, ou tous ses invités, dans toutes les villes d'Yerushalayim. Donc, pour pouvoir manger à Yerushalayim, manger, il faut des fourchettes, il faut des ustensiles, il faut les faire cuire, il faut mélanger dedans toutes sortes d'épices et d'aliments. Ça requiert donc plusieurs lois qui vont nous confronter à des lois de pureté et impureté. Ça, c'est d'une part pour le Kodesh. Tourma, c'est qui est consommé que par le Kohanim. Dans les trois premières Mishnayot, on a montré sur quoi 11 points sur lesquels on était plus strict, rigoureux, dans les lois de la consommation de Kodesh, de Korbanot, plus que les lois de consommation de Tourma. À présent, dans notre Mishnah, on va faire le contraire. On va parler de Chomer Batourma, en quoi la Tourma, elle est plus stricte, la consommation de la Tourma, va requérir des lois beaucoup plus rigoureuses que la consommation du Kodesh. Ouais, c'est un petit peu étonnant d'ailleurs, parce que ce qui est Kodesh, c'est encore plus Kadosh, c'est encore plus sain, c'est les Korbanot. Et malgré tout, sur certains points, on va être plus marqué dans la Trouma que dans le Kodesh. Comme quoi, par exemple, c'est toujours lié au principe que je vous avais évoqué en fait, et au contraire, tout a tourné que autour de ça justement, que je vous avais dit que la complexité en fait, le Kodesh, c'est vrai qu'il est d'une part, il est plus Kadosh. Mais il y a aussi un autre problème avec le korbanot. C'est que les korbanot, surtout pendant la période de fête, les gens viennent de partout pour apporter des korbanot. Même les gens les plus simples, qui ne sont pas tellement versés en Torah et en pratique des mitzvot comme il faut, ils viennent aussi à Yerushalayim. Et ils apportent aussi des korbanot. Et on ne peut pas commencer à dire, lui, il ne va pas pouvoir emprunter une fourchette et un couteau de l'autre. C'est presque pas réalisable. Donc du coup, alors, dans les premières Mishnayot, les trois premières Mishnayot, on avait vu, sur beaucoup de points, Chachamim ont imposé beaucoup plus de mesures de sécurité dans le Kodesh que dans la Trouma. Mais là, maintenant, on va se retrouver dans une situation, dans le cas contraire, où malgré tout, finalement, il s'avère que le Kodesh, il est moins rigoureux que la Trouma, en l'occurrence, on commence tout de suite. Chomer Batrouma, tout tourne autour du même point, c'est une Mishnah relativement longue, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est tout autour du même principe, qui est en fait la consommation du vin ou de l'huile, de la Trouma ou du Kodesh. Et la Mishnah me dit comme ça, première Batrouma, en cela, la Trouma, elle est plus grave que quoi? Chez Biyouda, Nehemanim Altaratiaïn Veshemen Kolimot Hashana. En terre de Yehuda, en Judée, Nehemanim Altaratiaïn Veshemen Kolimot Hashana, même les gens simples sont crus, crédibles, on les croit qu'ils ont veillé à Altaratiaïn Veshemen, à veiller à la pureté du vin et de l'huile, durant toute l'année, tandis que Ubishat Agitot fait Abatim, et au moment des vendanges, au moment où on fait le vin et l'huile, Af à la Trouma, ils sont même crus pour la Trouma. Soit, en fait, on a une année, 365 jours, il y a une période dans l'année où on met en fût le vin. C'est le chat à Gitot, et à Badim aussi, c'est le moment où on met en tonneau l'huile. D'accord? Il y a, durant cette période, d'accord? Ça dure, je ne sais pas, on verra. Je pense que c'est comme le cas, ce qu'il va y avoir à la fin de la Mishnah, une histoire de 70 jours à peu près, où ça. Qui sont donnés. Et tout le reste de l'année, un Amaharetz, un simplet de n'importe quelle ville d'Israël, qui n'est pas tellement versé en Torah, on ne peut pas consommer facilement, on ne peut pas consommer en fait sa Trouma durant toute l'année, sauf pendant la période où on va faire le vin. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, au moment de faire le vin, de le
faire, plus précisément, Gitot, Shatta Gitot, c'est, vous savez, le vin, on le piétine dans un, j'ai pas les mots, dans un gâte, et en hébreu, et dans le gâte, on le piétine, et puis après, on le, il faut le laisser, je crois, fermenter, puis après, on le laisse couler, et il va arriver dans, c'est au début, il est dans le pressoir, c'est le gâte, et après, on va le laisser couler, il va être là-bas réceptionné, et puis après, il va, je sais pas exactement le procédé, mais après, je sais pas qu'on va le mettre en, on va le laisser ensuite se reposer, plus fermenter l'écume et tout ça, et puis après, on va le mettre en fût. Ça, c'est la période des Gitot. La même chose avec Abadim, le Bad, Betabad, c'est le, c'est là on presse, c'est le pressoir de l'huile cette fois-ci. Pendant cette période de l'année, alors même les gens simples, ils font très attention à apporter des talmidei chachamim qui vont rendre purs leurs ustensiles. Parce que c'est comme dans tout dans la vie, quand on commence quelque chose, on veut commencer du bon pied et le faire bien. Eux aussi, ils vont avoir du vin, ils vont avoir de l'huile, elles veulent que ce soit la meilleure, de meilleure qualité, le meilleur goût et la plus cachère possible. Et ils ne vont pas se fier, eux, sur leurs connaissances pauvres, pour purifier eux-mêmes leurs gitot et badim, ils vont inviter des talmidei chachamim qui vont s'occuper à les faire. Comme ça, Rachid explique, c'est pas apporté dans le Bartenora, mais comme ça, Rachid Rahim explique. Donc, il va apporter des talmidei chachamim, donc du coup, en cette période de l'année, on peut même aller acheter de l'huile chez les Amaharet, c'est l'exemple simple. Et chez ceux qui vendent du vin aussi, on peut aller leur acheter. Et on va acheter de l'huile et du vin, et on va certainement affirmer qu'ils sont purs. Les autres jours de l'année, alors, par-ci, par-là, il a besoin de tirer, il a besoin de prendre, et finalement, il a peut-être tout rendu impur, on ne peut plus lui faire confiance. Il ne connaît pas les lois de pureté et impureté, on ne peut plus consommer son produit. Mais par contre, pour les korbanot, alors là, les corbanotes, s'il vient et nous dit non, depuis que j'ai fait ce tonneau-là, j'ai veillé à le garder dans la pureté pour en apporter des nesachim au Betamigdash, pour en faire des oblations au Betamigdash, eh bien, il est cru. C'est un peu parce qu'on n'a pas tellement le choix, en fait. On n'a pas le choix parce qu'il est obligé d'apporter. Alors on va se dire, bon, mais écoute, Bezrat Hashem, puisqu'il a quand même la crainte de ce qui est Kodesh, de le rendre impur, alors on peut, a posteriori, lui faire. On lui a posteriori, difficilement, mais on lui fait confiance, qu'il a gardé tout ça en pureté. Et on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu absurde, si je peux dire, que pour la trauma, tu me dis, ah non, peut-être c'est impur, il ne s'est pas surveillé. Mais pour ce qui est Kodesh, bon, c'est bon, il s'est surveillé. C'est le même Amaharet, soit il connaît la chrote, soit il ne connaît pas la chrote. Malgré tout, parce qu'il n'y a pas le choix pour l'huile et le vin des korbanot, on va lui faire confiance. Tandis que pour la trauma, puisqu'on peut éviter et te dire de te concentrer uniquement, de récupérer ce qui vient de chez lui durant la période des Gitot et Abadim, dans ce cas-là, il n'est pas cru, il n'est pas crédible pour le reste de l'année qu'il a bien fait les lois de choses, qu'il a bien préservé les choses dans la pureté. Ensuite, et la Mishnah continue en disant, avoua Gitot v'Abadim, si toutefois sont passées la période où on a mis en fût le vin et la période des Gitot et Abadim, eh bien, ve'viulo chavit shalein, et toi, le Talmid Chacham, Kohen, on t'a apporté un chavit yain, un tonneau de vin, shal trauma, qui est de trauma, loé kavelen amimeno. T'as pas le droit de la recevoir. Parce que tu soupçonnes que peut-être qu'il a mal préservé les lois de pureté et impureté. Mais regardez là quand même le coup un peu vicieux qu'il va y avoir, c'est quoi? Valmanicha le gataba. Mais par contre, le Amaharet, lui, s'il connaît la halacha. Et qui sait que pendant cette période de l'année, ça y est, on a fini la période, maintenant on a fini la production du vin, et donc. Le Amaret sait qu'il n'est pas crédible chez les Talmidei Chachamim. Il ne pourra plus lui amener le tonneau. Le Amaret n'a aucun problème à garder le tonneau et à attendre la prochaine occasion pour apporter, en même temps avec la nouvelle récolte qui sera crue sur elle, il pourra aussi apporter aussi cet ancien tonneau et le Talmidei Chachamim pourra aussi le recevoir. C'est une coula très particulière. Parce qu'en fait, le tonneau, on a dit, dès que tu passes, tu passes. Mais malgré tout, si le Amaret, il attend la période, c'est comme ça que ça a été fixé. Dans 70 jours, il est cru. Le reste de l'année, il n'est pas cru. Ok? À part ça maintenant, autre sujet. Le Amaharet, il vient avec son tonneau de vin, mais il dit au Kohen, Talmid Chacham, il lui dit, regarde, je t'ai apporté un tonneau. Il y a dedans de la trouma, mais il n'y a pas que de la trouma. Il y a aussi, j'ai prévu de, juste qu'une fois que je l'ai chez toi et qu'on va l'ouvrir, je vais juste prendre un petit revi'it, une petite dose de vin, pour l'apporter au Beit HaMikdash, parce que j'en ai besoin pour faire les Nesachim. V'imamarlo yifrashti letocha revi'it kodesh. Et s'il lui dit, j'ai prélevé dedans, j'ai réservé dedans que je dois retirer de lui un revi'it, un petit verre quoi, de Kodesh pour l'apporter au Beit HaMikdash. Alors dans ce cas-là, Néhéman, il est cru sur tout le fût.
C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation, en fait, on a dit quelque chose d'un peu bizarre. Pour la Trouma, il n'est pas cru. Pour le Kodesh, il est cru. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le maintenant il dit, il y a dedans, c'est-à-dire, il y a de la Trouma et il y a aussi du Kodesh. Eh bien, le fait qu'il y ait même un seul révite de Kodesh, un petit verre de Kodesh à prélever de ce tonneau pour tout le reste, de ce tonneau pour apporter des korbanot, eh bien, ça va donner maintenant le. Bon, il va devenir crédible sur tout le tonneau qu'il a préservé dans les lois de pureté. D'accord? Ensuite, Kadeyen et Kadeshamen Amedumaot. Alors là, ça manque un peu d'introduction pour expliquer cette halakha, mais d'abord, je la traduis telle qu'elle est écrite. Kadeyen et Kadeshamen. Cette fois-ci, on va parler des tonneaux ou des jarres d'huile et de vin. Amedumaot, où il y a dedans des mélanges. De quoi ça parle? On va voir. Eh bien, la Mishnah me dit, ben, Nehmanim aleem bishat agitot ve'abadim. Eh bien, les amarets sont crédibles, sont crus sur la pureté des ustensiles, même bishat agitot ve'abadim, même durant la période, donc, des, on va fabriquer, faire, mettre en paquet le vin et l'huile. D'accord? Ils sont crus. Des kodem lagitot shivimim, et même aussi, pas que durant cette journée-là où on va ouvrir maintenant les caves, mais même aussi le Kodem Lagitot Chivimiov, et même avant cette période-là des Gitot, même durant 70 jours, les 70 jours qui précèdent. De quoi on parle précisément, en fait? Jusqu'à maintenant, on a parlé du vin lui-même. Il faut savoir, même pendant la période des Gitot, même pendant la période des Gitot et des Badim, où on va justement, où le Hamaretz est cru pour la pureté des Kélim, malgré tout, il faut bien comprendre. Les Chachamim ont donné une dérogation, parce qu'on est obligé de recevoir, malgré tout, les dons des Kohanim, des Amaharets, même des gens simples, on est obligé de les recevoir parce qu'ils sont obligés de donner aussi, ils doivent donner la Trouma, et puis ici, il faut bien comprendre, les gens qui s'occupent, les paysans, c'est eux qui ne sont pas tellement versant Torah, mais ceux qui sont productifs concrètement pour tout le vin et tout le raisin. D'accord? Tout le vin et l'huile d'olive. Du coup, la Mishnah, la Gemara explique. En fait, c'est vrai qu'on les croit pour les lois de pureté et impureté, mais on les croit tout en se disant que peut-être qu'on est en train de se tromper terriblement. Même si c'est les Talmidei Chachamim qui purifient les Gittot. Mais les avoir, du coup, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps ensuite? Peut-être qu'il les a mal manipulés, peut-être qu'il n'en fait qu'à sa tête. Malgré tout, Chachamim ont donné leur aval en disant qu'on peut se fonder sur eux, les croire qu'ils ont fait des choses dans la pureté. Mais c'est pas une réelle pureté, dans la mesure où, quand ils t'amènent un tonneau avec... Quand il amène au Kohen un tonneau avec du vin dedans, le Kohen il se doit dépêcher de vider le contenu et lui rendre le tonneau. Il ne peut pas garder le tonneau chez lui, il ne peut pas le réutiliser parce que le tonneau, on soupçonne que peut-être qu'il a malgré tout, il a été impurifié. On fait une chose un petit peu contradictoire. On a un tonneau que tu soupçonnes qui est peut-être impur, mais le vin qui est dedans, il reste pur. Il n'a pas véhiculé l'impureté. Parce qu'en fait, comme toutes les takanot Chachamim, Chachamim on fait une takana que si on pouvait concrètement l'accomplir. Si on ne fait pas une takana qu'on n'est pas capable d'accomplir parce qu'elle est trop dure, donc du coup, on se retrouve parfois avec des petites contradictions comme ça, que ça manque de logique. Le vin, il est tahor, et le tonneau lui-même, il est impur. Mais malgré tout, pour les kodshim, c'est pas comme ça. On va voir dans les prochaines Mishnah d'ailleurs, que pour tout ce qui est kadosh, on va croire le hamaretz même pour la pureté des kelim. Du coup, on est encore sur ce tonneau-là où il y a dedans de la trouma et des choulin, et même du kodesh qui est tout mélangé. Il faut les retirer ensuite, retirer un verre de kodesh et donner un peu pour la trouma. Eh bien, puisqu'il y a dedans du Kodesh, et que grâce au Kodesh, le Hamaretz, il est crédible pour la pureté de l'ustensile, eh bien, tu pourras récupérer l'ustensile et l'utiliser même pour quelque chose de trauma ensuite. D'accord? C'est ce que la Mishnah me dit, que les tonneaux, les jarres de vin et d'huile, à Medumaot, où il y a dedans des mélanges parce qu'il y a dedans de la trauma, et il y a aussi dedans des kochim, du vin qui est kadosh, eh bien, Nemani, Malem, Bishat et Kadosh, ils sont même crédibles sur les jarres et les tonneaux pendant cette période de l'année, et même mieux que ça aussi, même de Kodem Lagitot Shivimium, et même avant les Gitot, avant la période 70 jours, parce que c'est le jour où on se prépare pour commencer à préparer la pureté des vins et de l'huile d'olive. Ça prend 70 jours pour commencer à s'organiser, à prendre l'équilibre. Donc, durant tous ces 70 jours, il est cru sur la pureté de ces ustensiles aussi. Grâce à Allah, au Kodesh. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov. Salam.